Port-au-Prince à Montréal, c'est tout partout pareil, il aurait pu écrire Luc Plamondon. Enfin, presque. 30 ans après la création de Starmania, il y a une troupe haïtienne qui présente le célèbre opéra rock à Montréal. Vous ennuyez? Oh! Renouvelle-nous! Nous bien! Nous entendons. Honneur, Monsieur le maire de Montréal, distingués invités, chers amis, je n'ai pas de mots pour vous dire le bonheur, le plaisir d'être ici ce soir. Jean-Daniel et moi sommes tellement, tellement heureux d'être là et de pouvoir vivre ce moment extraordinaire à la TOHU dans Saint-Michel, à Montréal, avec vous, pour cette fête rassembleuse, pour cette fête fraternelle. Je dois vous dire que l'aventure à laquelle vous êtes sur le point de participer est née d'un voyage mémorable. Je vais prendre le temps de vous le raconter. L'un des premiers voyages internationaux que j'ai effectué à titre de gouverneur général du Canada m'a ramené au pays de mon enfance. J'étais donc de retour sur l'île où j'ai appris à marcher, où j'ai appris à parler, à regarder et à sentir le monde. Et dans les rues animées de Port-au-Prince, en mai 2006, à l'occasion de l'assermentation du président Préval, la gouverneure générale que j'étais devenue cherchait des signes. Je cherchais des signes dans les yeux des enfants, dans les regards des femmes, dans les regards des hommes. J'essayais de lire dans ses yeux ce qu'il en était aujourd'hui de l'espoir tant attendu, l'espoir si souvent bafoué et qu'on ravive chaque fois parce qu'on n'a pas le choix et qu'on essaie chaque fois de dégager des cendres. Et puis, dans le cadre d'un dîner d'État, j'ai découvert la troupe d'Haïti en scène. Thank you.
ces roses en billets. Permettez-moi, madame, de vous importuner. C'est avec émotion que j'ai pris votre intention d'abandonner votre carrière. Expérience, ça, c'est une expérience qui vraiment fait bien et ce qui fait tout troupe là bien. Parce que venir au côté comme ça, par exemple la Tohu, normalement c'est de recevoir professionnel seulement. Bon, dès que nous sommes capables là, nous-mêmes, nous pensons que c'est ça, c'est une fierté pour nous parce que nous disons un spectacle amateur. Mais chance pour nous, en pile monde qui est au spectacle là, on dit que c'est pour nous amateur, mais ça nous fait assez une qualité professionnelle là-dedans. Je pense que ça c'est le plus gros rêve pour moi qui est réalisé dans la vie. Je pense que c'est un bagage qui est jusqu'à la fin. Fatigué, mais à chaque fois, je suis public, je suis bravo pour ça. Je montre mes gens contentement, je manifeste contentement. Et puis, chaque fois, je suis haïtienne, c'est comme si son adrénaline, je sens que l'énergie monte plus de temps en temps. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, j'ai devant moi un homme que toutes les femmes voudraient connaître. Pour un instant, c'est et célèbre. Ma question, vous la connaissez. Si vous n'étiez pas qui vous êtes, dites-moi qui vous voudriez être. Oh oui, c'est un accueil extraordinaire. Extraordinaire parce que là, vous sentez bon chaleur, malgré le fait du Montréal, là, vous sentez bon chaleur. Parce que des fois, on va descendre marché pour aller dans Hollande. Il n'y a pas applaudi ou il y a un autographe, il y a félicité ou il y a un tout. Mais non, ça n'a pas arrêté là, on a fait ton petit jour Montréal, il faut nous retourner. Quand c'est des trucs que nous avons senti que nous sommes contents de nous soutenir là. C'est à quel âge c'était chaleureux, vraiment chaleureux. C'est un bail extraordinaire. Chaque fois que nous montons sur scène, c'est toujours une nouvelle expérience avec un nouveau public. Parce que chaque public a une réaction différente. Mais ça qui fait nous toujours gagner un pile plaisir, c'est que nous voyons que tout le monde qui vient là est toujours sorti satisfait. C'est l'aboutissement d'un rêve collectif. C'est une équipe qui en a longtemps rêvé. C'est nous, à Haïti en scène, qui avions pris un petit peu cette chose-là sur nos épaules. En se disant, et si on essayait de le rendre possible? Et puis voilà, c'est là. J'aurais voulu être un artiste.